je vous fais visiter ma petite ville Saint-Laurent du Maroni. Voilà, spécialité haïtienne. Et c'est chez Esther 509. Voilà mes loulous, je vous montre la spécialité des repas haïtiennes. Vous voyez là, le riz diondion, le riz collé. On a du poulet fricassé. On a de la salade aussi composée. Et tout derrière, on a les bananes pesées. Mes loulous, du coup, c'est Esther qui nous présente plein de repas spécialité haïtienne. Du coup, elle va vous dire exactement qu'est-ce qu'elle propose comme repas. Alors, bonjour à tous. Je me présente. Esther 509, voilà. Voilà. Bienvenue, bienvenue. Et chez moi, je propose du riz diondion. Mm-hmm. Le riz diondion, le fameux riz diondion. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui demandent assez souvent, le diondion, en fait, c'est un champignon noir qui pousse uniquement en Haïti. Donc en fait, c'est avec le jus de ce champignon qu'on fait cuire le riz. Donc voilà pourquoi il est noir, le riz. Et on a du riz collé. Aujourd'hui, on n'en a pas, mais normalement, on a du riz jaune aussi, haricots rouges, bananes pesées, salade russe, piclis, poulet au four, porc griot. Vraiment, voilà. Un peu de tout, quoi, la spécialité haïtienne. Voilà, mes loulous. Et restez avec moi, je vais vous montrer d'autres spécialités de la cuisine guyanaise. Allez, c'est parti! Voilà, dans la communauté surinamienne, je vous présente les spécialités, le lumpia, le bacabana, voilà, voilà tout ce qu'ils font. Thank you.
apprécié comme boisson ça? C'est du jus de tapioca. Ah, du jus de tapioca. Merci. Ah, bah oui. Ouais, bah il a l'air bien, hein. Voilà, je vous présente les différentes boissons de la Guyane. Allô? Pomme de citerre. Hein? Allez. On se rend à la crique. Je suis tout à la crique. Laura. Allez, à l'hôtel. Petit coin cosy. Thank you.
je vous laisse. Thank you.